Vous vous rappelez d'Automatix 1, la première encyclopédie. Le succès a fait que on a fini le 2 qui est devant vous. 13 tours choisis sur le volet avec des principes d'ailleurs que je ne connaissais pas, je vous l'avoue, je ne les connaissais pas. N'étant pas un grand spécialiste, mais maintenant je m'y suis mis parce que je suis tombé amoureux des tours automatiques. Alors qu'effectivement on pensait que le tour automatique était surtout pour des jeux familiaux, entre amis. Non, maintenant le tour automatique devient un tour, tel qu'on peut l'imaginer, à savoir qu'on peut le faire dans des conditions tout à fait normales de spectacle. D'ailleurs, les principes que j'ai trouvés que je ne connaissais pas, en voici un. Bon, Sophie, t'as mélangé, t'as fait trois colonnes de cette carte, ouais. Parfait. Tu choisis n'importe quelle colonne, tu prends la colonne, enfin le paquet dans ta main. D'accord. Tu coupes, tu regardes la coupe. D'accord. Oui. Et tu poses le paquet où tu regardes ta carte sur ce que tu veux ici. Ok. Ok. Celui-là ou celui-là dessus. D'accord. Que tu aurais pu mélanger d'ailleurs, et celui-là aussi. Ok. Parfait. On est prêt ? On est prêt. Je vais faire les fameuses trois colonnes. Bon, j'ai pas fait exprès, j'ai mis une carte à l'envers. Ah. Quel était le nom de ta carte ? C'est l'As de pique. L'As de pique. Pas mal, non ? C'est quelques tours avec les trois colonnes, un peu revues, revisitées. C'est vraiment superbe. Vous en voulez un petit deuxième qui va vous surprendre ? Ça nous vient d'un extraterrestre. Tu peux mélanger le jeu si tu as envie. Tu prends une petite partie du jeu, tu comptes ce que tu as pris. Je veux rien voir. Et d'accord. Ensuite, tu regardes sur le jeu qui reste, la carte qui correspond à ton nombre. Ok, une petite partie, je compte. J'ai pas de limite, hein. Non. D'accord. Ce que tu veux, c'est l'avantage. Ok, je regarde. Ouais, c'est bon. Tu complètes et tu me donnes le jeu. Je vais, dans l'obscurité, faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vous dis pas quoi, hein. Ok, quel était le nom de tes cartes ? Dame de pique. Alors bien sûr, c'est des petits extraits, mais vous avez quand même vu, et surtout le plus important, l'effet du tour. Hein. Le protocole, au départ, ne changeant absolument rien. Quoi vous dire d'autre sur Automatix 2 ? En tout cas, vous parlez surtout des tours automatiques, parce qu'ils peuvent intéresser les petits comme les grands. Ça, c'est important aussi. Hein. Transmettre, c'est une chose, par rapport à moi et par rapport à vous. Ensuite, vous, par rapport aux autres, par rapport à vos enfants. Les principes mathématiques. Et je dirais un soupçon de semi-automatique. Soupçon, hein, ne vous inquiétez pas, qui va aller encore plus loin, beaucoup plus loin, que les tours, on va dire, dits classiques, dans ces nouveaux principes. Je me suis permis de rajouter un petit truc, de choses qui risquent de vous plaire énormément. Honnêtement, et ce sera le mot de la fin, vraiment, les principes, pour moi en tout cas, étaient totalement nouveaux. Je me suis fait avoir pendant que je faisais les traductions et quand j'essayais d'intervenir pour apporter des choses à l'intérieur, je faisais sans avoir vraiment compris comment ça marchait. Il a fallu du temps. Donc je vous laisse avec Automatix 2, en tout cas si vous prévoyez de continuer votre collection, comme je prévois d'ailleurs de la continuer aussi. Donc, je vous laisse avec Automatix 2, regardez et profitez.